Ils étaient nombreux aujourd'hui à se rendre à la deuxième édition du Salon de la pâtisserie de la gourmandise au Parc Chanot. Au total, 50 exposants, des chefs pâtissiers, des glaciers, des chocolatiers, des confiseurs, mais aussi des stands d'ustensiles. Cette année, le parrain du salon n'est autre que le célèbre chef Philippe Conticini, qui a fait une démonstration publique de 14h à 16h. Durant les deux jours, vous pourrez assister à de nombreuses autres démonstrations de chefs. Aujourd'hui, là, en démo, j'ai présenté des recettes de guimauve. Donc, j'ai voulu changer de la guimauve traditionnelle à la fraise. Voilà, donc on a fait des guimauves yuzu sésame et on a fait miel de châtaignier, fleur d'oranger. C'est très important pour moi de transmettre. Après, par le biais de recettes ludiques comme les guimauves, justement, de transmettre aux plus petits des saveurs différentes et des nouvelles saveurs pour les éveiller un petit peu sur le goût et sur les sens. Et après, pour conforter les gens qu'il y a autre chose aussi dans la pâtisserie et dans les confiseries. Nous, on est une chocolaterie essentiellement. On fabrique du chocolat dans notre atelier de Salon de Provence. La chocolaterie existe depuis plus de 40 ans. Je suis la troisième personne qui reprend la chocolaterie. Alors, notre spécialité, c'est le Nostradamus, à l'effigie de Nostradamus qui est très connu à Salon. C'est de la pâte d'amande, orange confite et enrobée de chocolat blanc avec un petit peu de Grand Marnier. Je fais des cupcakes, un peu à la française. Et je fais aussi tout ce qui est meringue colorée, en fait de la pâtisserie très girly. C'est bien pour la notoriété, pour se faire connaître auprès du grand public. Et voilà, comme ça les gens peuvent voir mes créations, mes sucettes personnalisées pour les mariages, les baptêmes, etc. Le fait que je fais des wedding cakes, voilà. Il vous reste jusqu'à demain pour vous y rendre. Comptez 6,50€ en tarif plein, 4,50€ pour les moins de 12 ans et c'est gratuit pour les moins de 6 ans.